Sa presença.
les bénis soient sanctifiés. Nous te saluons, cher Saint-Esprit, à la parole. Qui est comme toi qui s'en va comme près de gloire. Cher Saint-Esprit, nous te saluons. Nous te disons merci, cher Saint-Esprit. Voilà ton Seigneur Jésus. Cher Saint-Esprit, voilà ton Seigneur Jésus. Cher Saint-Esprit, merci, nous te saluons. Nous te disons bonsoir, cher Saint-Esprit. Nous te disons shalom, cher Saint-Esprit. Nous te disons bonsoir, cher Saint-Esprit. Nous te disons shalom, cher Saint-Esprit. Gloire à ton Seigneur Jésus. Gloire à ton Seigneur, la nourriture. Gloire à ton Seigneur, le chalal. Gloire à ton Seigneur, le jour à Jérémie. Cher Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence au Seigneur. Merci pour ta présence dans ma vie. Gloire à ton Seigneur Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons plus fort l'Éternel. Oui, merci. Nous allons prendre nos Bibles. Aujourd'hui, le deuxième jour de notre séminaire que nous avions commencé depuis hier sur un bon thème qui est intitulé « La mort aura honte de toi ». La mort aura honte de toi. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Samuel. Samuel chapitre 12, à commencer par le verset 1er jusqu'à 11. Je lis la parole de Dieu dans 2 Samuel chapitre 12, verset 1er à 11. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui, et lui dit: il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein, et il a regardé comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan: l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David: tuez cet homme là, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour mon roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein
les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée. Le fils d'Amon, maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je veux faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ses soleils. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela à présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. Amen. Amen. Venons de lire de 1 jusqu'à 15. Prie maintenant pour la parole de ce soir. Dis à ton Dieu que ce Dieu-là puisse te parler. Prions. Oui, Père, gloire à ton Seigneur Jésus. Le moment est là, Seigneur, d'écouter ta parole. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous ferons des espoirs. Seigneur, merci de m'avoir choisi à cette heure-ci afin que je puisse parler de ta part. S'il te plaît, Seigneur, accorde-moi ton intelligence, ta sagesse, ta connaissance, Seigneur, de toi, afin que je puisse parler de ta part. Parce que de moi-même, Seigneur, de gloire, je n'arriverai pas. Voilà pourquoi, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Cher Saint-Esprit, sois avec moi, sois avec nous, règne toi en ces lieux. Nous savons très bien que la parole dit et nous avons confiance de toi, Seigneur. La Bible dit là où deux, trois personnes se réunissent à ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Voilà, Père, nous avons cette assurance que le pauvre diable est loin de nous. Il ne peut jamais rester là où l'Esprit Saint est. Seigneur, gloire à ton Seigneur Jésus. Merci de nous avoir aidés. Merci d'avoir disposé nos cœurs afin que nous puissions écouter ta parole. Sois loué, sois béni, sois exalté. Tu vis au siècle des siècles, éternité en éternité. Merci Seigneur de gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, le Dieu vivant, le Dieu créateur. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Oui. Hier, l'Éternel Dieu nous a beaucoup aidés. Il nous a parlé de cet homme Ézéchias, ainsi que
de cet homme Jairus par rapport à la mort de sa petite fille. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je voulais un peu vous parler des trois points que je vous ai cités hier par rapport à la situation qui était devant le roi Ézéchias. Comment était son attitude vis-à-vis de cette situation? Je vous ai cité au moins trois points. Premier point, c'était devant une situation, même si c'est l'oracle de l'Éternel, ne sois pas paniqué, ne sois pas troublé, et puis de ne pas avoir peur. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, quand je suis en train de préparer le deuxième message, j'étais aussi inspiré. Voilà pourquoi je voulais aussi vous compléter le troisième point. Donc ça nous fera six points. Si nous sommes devant une situation, que devons-nous faire? Quelle sera notre attitude? Le quatrième, nous voyons cet homme Ézéchias, plutôt Esaïe, quand il était envoyé par l'Éternel Dieu, il avait obéi à la voix de l'Éternel afin de prononcer la parole de Dieu au roi Ézéchias. Mais le problème est que j'avais bien dit, cet homme Esaïe était mieux placé de discuter avec Dieu, il était mieux placé de demander la miséricorde de Dieu en faveur d'Esaïe. Mais par contre, lui, il se présenta devant le roi, il annonçait la bonne nouvelle de la part du Seigneur, puis voilà, il était parti. Donc, quatrième point, ne comptez pas à tes médecins, pas même au prophète Esaïe, même si que cette prophétie vient de l'Éternel. Je parle d'Esaïe parce qu'il est homme de Dieu. Je vais m'expliquer. D'où vous allez comprendre le cinquième point. Je vous ai dit que parler du Seigneur, Esaïe, il était comme un médecin devant Ézéchias. Aujourd'hui, nous voyons dans les hôpitaux comment les médecins sont en train d'agir. S'ils n'arrivent pas à faire quelque chose, ils ont toujours l'habitude de dire, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Messieurs, madame, tu vas mourir. On ne te donnera rien. Prépare bien tes enfants, prépare ta famille. Voilà. C'est comme cela que ça se passe. Voilà pourquoi j'ai dit, ne comptez pas à tes médecins. Même si que ils te disent ceci, cela, ne comptez pas aux médecins. Ne comptez pas à leurs paroles. Si tu as la foi, regarde ton Dieu. Esaïe a annoncé la bonne nouvelle. Il n'a pas trouvé la solution pour le roi et il était parti. Cinquième point. Explique ta situation à un homme de Dieu qui aura compassion de toi et qui sera prêt à t'orienter
et qui cherchera la face de Dieu en ta faveur. Donc, explique ta situation à un homme de Dieu. Je n'ai pas dit de te confier à un homme de Dieu. La Bible est contre. Dieu est contre cela. Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. À te confier à un homme de Dieu, cela n'est pas dit que non. Et disons, à expliquer tes problèmes, ta situation à un homme de Dieu, cela n'est pas dit que non. Tu t'es confié à ton pasteur. Ton pasteur est incapable de résoudre ton problème. Voilà pourquoi j'ai bien précisé. Explique ta situation à un homme de Dieu qui aura compassion de toi et qui sera prêt à t'orienter. Comment tu feras? Il y en a d'autres, tu peux bien expliquer ton problème. Peut-être tu diras que non, viens avec ceci. Viens, on va faire ceci. Mais un bon homme de Dieu, un homme de Dieu sérieux, il va t'orienter d'abord dans la parole de Dieu. Alléluia. Il te fera voir les Écritures. Il te fera voir Jésus. Parce que ce n'est que lui qui est capable de résoudre ton problème, tes situations à toi. Explique ta situation à un homme de Dieu qui aura compassion de toi et qui sera prêt à t'orienter. Et qui cherchera la face de Dieu en ta faveur. Esaïe n'avait pas en lui la compassion d'Ézéchias. Voilà pourquoi il n'a pas eu le temps d'orienter Ézéchias. Voilà pourquoi il n'a pas eu le temps de chercher la face de Dieu en faveur d'Ézéchias. Il a annoncé la bonne nouvelle et puis il était parti. Sixième point. Prends courage et parle aussi toi-même à ton Dieu. Nous avons prié par rapport à cela. Prends courage et parle aussi toi-même à ton Dieu. Même si que ton pasteur aura compassion de toi, même si que ton pasteur cherchera la face de Dieu à ta faveur, même si que tu seras orienté par ton pasteur, bien aimé, tu es obligé toi aussi de chercher la face de Dieu. Toi-même. Et fais-le voir tes bienfaits. Fais voir à ton Dieu tes bienfaits. Ta justice, ton intégrité, ta consécration, si cela est possible. Cela était possible à Ézéchias. Voilà pourquoi il n'avait pas eu honte de dire à son Dieu, je suis intègre, je suis juste. Alléluia. Amen. Si cela n'est pas possible, je ne sais pas si tu allais faire comment. Alléluia. Amen. Alors, pour le message d'aujourd'hui, nous connaissons tous l'histoire de cet homme, David, comment il était devenu roi. David était devenu roi par la volonté de Dieu, par l'ordre de l'Éternel. David, il était choisi par l'Éternel Dieu. David était formé par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Cet homme, le prophète Samuel, il était juste utilisé par Dieu afin d'aller faire accomplir une mission de oindre le roi David. Alléluia. Amen. En prodiguant David des conseils parce qu'il avait l'expérience. Mais ce n'était pas Samuel qui avait formé David. David a eu sa formation dans un lieu secret, lui avec son Dieu. Alléluia. Amen. Là où David terrassait lion et l'ours, Samuel n'était pas là. Amen. Saül n'était pas là. Voilà pourquoi j'ai dit à tout moment, David n'était pas serviteur de Saül.
Il n'était pas fils spirituel du roi Saül. David était au service du roi Saül pour l'aider. Parce que Saül était capable. Alléluia. David, quand il était venu auprès de Saül, il avait déjà son ministère. Il était déjà appelé par Dieu. Saül, David n'a jamais eu son appel à travers Saül. Non. Il était venu pour aider Saül. Voilà pourquoi quand le mauvais esprit dérangeait Saül, David était là. Il jouait. Il chantait. Il contribuait dans sa vie. Et il a contribué dans son ministère. Il était déjà appelé. Il avait son ministère. Il n'était pas communiqué par Saül. Par contre, lui avait aidé Saül. Samuel a prodigué des conseils. Il était comme un mentor. Alléluia. Amen. Un mentor, cela n'est pas dit que non, c'est ton père spirituel. Samuel était utilisé par Dieu afin d'aller oindre David. Celui qui a communiqué David, c'est lui-même l'éternel, Dieu. Alléluia. Amen. Il était choisi par Dieu afin de devenir roi selon le plan de l'éternel. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à notre lecture? Nous venons de voir David était déjà élu comme roi. Il a pris le trône après Saül. Dans son ministère, David avait un homme qu'on appelait Uri. Il était étranger, il n'était pas hébreu. Un étranger au service de David. Alors, David avait envoyé son troupe au front pour aller combattre leurs ennemis. Là où David était resté, il a parlé que non, cet homme David, le roi, puisse soutenir son peuple, ses militaires. Au lieu que David puisse rester en présence de l'Éternel, David, non. Il avait préféré d'aller se promener. C'est là que David a vu les choses qu'il ne pouvait pas voir. Alléluia. Je ne sais pas si c'était dans le plan de Dieu. Mais si c'était dans le plan de Dieu, Dieu ne pouvait jamais punir David. Alléluia. Parce qu'il a voulu que ça soit ainsi. Il n'a pas voulu rester sur place. Quand David a vu Bathsheba, il était tombé amoureux de Bathsheba. Mais le mal est que Bathsheba était une femme mariée. Alléluia. Amen. Alors David a fait ce manœuvre. Il a fait par tous les moyens de récupérer Bathsheba. Après avoir s'abusé de cette femme mariée, David a joué, a dit que non, ça c'est ridicule. Ce que je viens de faire, ce n'est pas logique. Amen. Si c'était logique, oui. David ne pouvait jamais faire l'appel d'Uri et puis de le renvoyer dans sa maison afin d'aller coucher avec sa femme. Parce que David savait déjà que non, Bathsheba a eu déjà quelque chose. Bathsheba vient de recevoir sa semence. David était déjà au courant. David a voulu maintenant dribbler Uri. Pendant que cette semence c'était sa semence à lui. Ce n'était pas la semence d'Uri. Il a voulu maintenant dribbler qui? Uri. Mais comme Dieu ne dort pas, tu peux bien dribbler Uri. Tu peux bien dribbler d'autres choses, d'autres gens. Mais tu n'arriveras plus jamais à tromper l'Éternel Dieu. Dieu n'a pas voulu que notre Uri puisse retourner dans sa maison
afin de coucher avec sa femme. Non, Dieu n'a pas voulu cela. Ce que David a fait, ce n'était pas du tout bien aux yeux de l'Éternel. Parce qu'il était point pas pour faire du n'importe quoi. Il était appelé par Dieu pour prendre soin de son peuple, de ses brebis. Même si que Uri était là en tant qu'étranger, il était obligé de prendre soin d'Uri et non de détruire Uri, non plus son foyer. Amen. Quand David a dit que non, Uri résistait. Uri, un étranger, aimait David. Alléluia. Amen. Plus que ce propre frère ou ce propre enfant. Uri, un étranger, aimait David. Il n'a pas voulu retourner dans sa maison pendant que son maître est là et puis ils sont en danger. Non, moi je ne peux pas aller dans ma maison afin de coucher avec ma femme et puis voilà, vous êtes comme, je resterai ici là. C'était ça la décision d'Uri. David ne voyait pas comment faire parce que Uri était intelligent, Uri était sage. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il était obligé de faire retourner Uri au fond. Alléluia. Amen. Et il a donné une lettre à Uri afin que Uri puisse remettre cela à leur chef. Donc Uri, il était envoyé par David avec sa mort dans sa propre main. Alléluia. Amen. On lui a renvoyé, on l'a fait retourner au fond avec ce cercueil, son cercueil. Voici l'être de ta mort. Comment expliquer? Notre thème est intitulé « La mort aura honte de toi ». Bien aimé, le problème c'est quoi? D'abord, Uri est un étranger. Bien aimé, si tu es étranger auprès de l'Éternel, alléluia, laisse-moi te dire, la mort n'aura jamais honte. C'est bien toi qui aura honte. La mort t'engloutira. Il est beaucoup mieux d'être à côté, d'être enfant de Dieu. Pendant si longtemps, il était au milieu des Hébreux. Il pouvait bien devenir Hébreu. Il pouvait bien devenir Israélite. Il pouvait bien changer sa nationalité. Alléluia. Mais il a resté toujours dans sa position. Voilà pourquoi il y avait la différence entre les Hébreux et Uri. Alléluia. Amen. Ce que David a fait à cet homme Uri, il ne pouvait jamais le faire à un Hébreu. Non. Uri s'est promené avec sa mort. Il s'est retourné au fond avec sa mort. Uri était livré. David a tué Uri. On a tué Uri par l'ordre de David. Après avoir s'habillé avec sa femme, David se permetta de tuer son serviteur. La Bible dit, quand David faisait toutes ces choses-là, Dieu voyait clairement. Alléluia. Amen. Dieu voyait clairement. Par rapport à ce mot honte, je vous ai dit, nous avons 5 synonymes. Hier, nous avons parlé d'embarras. Aujourd'hui, je vous ai promis, nous allons parler de déshonorer. Alléluia. Amen. Nous allons parler de déshonneur. Déshonneur. Qui sera déshonoré? Qui sera déshonoré entre la mort et la personne qui est menacée par la mort? Qui sera déshonoré? Alléluia. Amen. Hier, ce n'était pas le problème des péchés. Mais aujourd'hui, nous voyons le problème des péchés. Alléluia. Amen. Dieu envoya Uri, envoya Nathan auprès de David. C'est la bonne nouvelle. Hier, nous avons vu
Dieu a envoyé le prophète Esaïe auprès de Zéchias pour lui annoncer aussi la bonne nouvelle. C'était ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand Esaïe a quitté Ézéchias, Ézéchias a tourné sa face contre Mir. Il a supplié son Dieu. Esaïe était direct avec Ézéchias. Nathan auprès de David n'était pas direct. Il n'était pas direct. Il parlait en parabole. Alléluia. Amen. Il parlait en parabole. Écoute bien aimé, ça c'est un problème de la vie ou la mort. Si le péché est là, à quoi bon de venir te dire par parabole? Alléluia. Amen. À quoi bon de te dire en parabole? Tu es là, tu viens de pécher. Moi, en tant que ton pasteur, je sais que non, c'est bien toi qui viens de pécher. À quoi bon de te dire en parabole? Alléluia. Amen. Comprenons très bien. C'était le prophète Nathan. Quant à moi, je te dirai la vérité. Nous deux, je te ferai voir tes péchés. Quand je te dirai la vérité, bien aimé, ce n'est pas l'insulte. Quand Jean-Baptiste faisait voir aux pharisiens, à ces gens-là, leurs péchés, Jean-Baptiste ne les insultait pas. Amen. Alléluia. Amen. Il avait besoin que ces gens-là puissent sauver leur vie. Nathan se présenta devant David en parabole. Le problème, c'est quoi? David n'a jamais compris quand Nathan parlait en parabole. David n'a jamais compris que non, c'était bien lui. Nous devons être directs. La vérité n'est pas insulte. La vérité restera la vérité. Tel qu'aujourd'hui, bien aimé, nous devons supporter la vérité divine. Amen. Nous devons supporter la vérité divine. Amen. On ne peut pas vous caresser. C'est la vie ou la mort. Notre thème est intitulé « La mort aura honte de toi ». Mais si on te cache d'autres choses, bien aimé, c'est toi bien qui seras qui aura honte. La mort t'engloutira, ta situation t'engloutira. Peut-être la situation qui règne dans ta vie, ça vient par rapport à tes péchés. On ne peut pas te cacher tes péchés. On te dira la vérité. Le Saint-Esprit ne cache rien. Amen. Yes. Le Saint-Esprit ne cache rien. Le vrai prophète, le Saint-Esprit, lui dévoile, il fait que dévoiler. Alléluia. Amen. Saint-Esprit, le vrai évangéliste, Saint-Esprit, le vrai pasteur, Saint-Esprit, le vrai apôtre, le vrai docteur. Amen. Lui ne cache rien. Il te dira la vérité, tu viens de pécher, répands-toi. Ça se lève de l'évangile de Dieu, ça se lève de Dieu, ça se lève du Saint-Esprit. Amen. Il faut que tu sois, tu deviennes Nathan. Alléluia. Amen. Moi, de ma façon, la façon dont Dieu est en train de me conduire, je ne suis pas quelqu'un qui cache, qui dit en parabole. Moi, je dis la vérité. Amen. Que tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci, répands-toi, si ça est possible. Un point très. Là, je t'aide. Alléluia. Amen. David ne comprenait pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème. David a resté avec ses péchés. Il a tué. Il a couché avec la femme de son serviteur. Il a tué son serviteur. Il restait calme. Dieu dit que non, David a fait cela en secret. Mais je vous dirai ceci, en secret par rapport à son serviteur, il rit. Mais ce n'était pas David qui était parti chercher Bathsheba. Il avait envoyé ses serviteurs. Quand David a envoyé déjà ses serviteurs, ce n'était pas secret. Alléluia. La peur de deux, trois personnes, ce n'est plus secret. Ce n'est plus secret. Non. Je
Jonathan, plutôt c'est cet homme, Nathan, a commencé à dire, relater l'histoire. Tu vois, il y avait un jour, un homme venait quelque part, il a fait ceci. Et ça, qui histoire m'a sapoté. Les cambois, les soumes, ils sapongaient. Alléluia. Amen. Non. Quand Jésus était venu, il a dit, il s'est adressé au pauvre diable face à face. Ce sont mes brebis, ce sont mes biens. Retire-toi de moi. Jésus n'a jamais dit au pauvre diable en parabole. La vérité, en vérité, je vous l'ai dit. Amen. C'est ce que nous devons agir, c'est ce que nous devons faire. Bon, par après, chacun de nous a sa façon, à sa manière, comment elle est envoyée par l'Éternel Dieu. Mais quant à moi, Dieu m'envoie de dire la vérité. Même si que ça va te chauffer, même si que tu seras piqué, moi, Dieu m'envoie toujours pour dire que la vérité. Amen. Je te dirai la vérité en face et puis voilà. Il y aura l'orientation. Comment tu devrais faire. Amen. Pour que tu puisses quitter à cette situation. Amen. Un point très. Heureusement, qu'est-ce qui s'est passé après avoir Nathan dit en parabole à cet homme, au roi David? David s'enflamma en colère. Aïe, aïe, aïe. Roi. David s'enflamma en colère. Écoute. Pendant que lui-même sait très bien que non, il vient de pécher, il vient de tuer, il vient de perdre n'importe quoi. Il voulait cacher ses transgressions, il voulait cacher ses péchés en torturant, en jugeant, en condamnant une autre personne. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit, ne jugez point. Amen. Regardez-moi cet homme David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il sait très bien que non, je viens de commettre l'adultère. Je viens de coucher avec la femme de mon serviteur. Je viens de tuer mon serviteur. Mais on lui présente un problème, une situation d'un inconnu. David s'enflamme en colère. Cette personne mérite la mort. Et puis il va payer quoi? 4 brebis. Qui l'a condamné? Quand il a couché avec Bathsheba, quand il a tué Iri, qui l'avait condamné? Pour que lui puisse condamner un innocent. Comment on peut devenir des aveugles? On te fait voir des choses. Personne qui est devant toi, tu juges, tu condamnes. Tu condamnes, dans le meilleur, tu condamnes les gens. Mais avant de juger de connaître, il faut que tu puisses voir la personne devant toi. Amen. David appelle sa justice à condamner sans pourtant voir l'accusé. Mais le plaignant, c'était qui? C'est le prophète Nathan. Nathan était venu accuser qui? Ensemble vide. Alléluia. Amen. Ensemble vide. Quand David s'enflamme en colère, là, cette personne, cet homme mérite la mort. Nathan maintenant a eu du courage de dire la vérité. Oui. Cet homme, c'est bien toi. Ah bon? C'est moi. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir, hein, et la langue. Amen. Ce que tu dis, ça va s'accomplir. Yes. Ce que tu dis, ça va s'accomplir. Tu viens, tu t'es emporté en colère qu'on puisse tuer, arrêter cette personne. Maintenant, Nathan a eu pitié de David. Si c'était moi aussitôt, je pouvais bien faire la paix de militaire. Arrêtez-moi ce roi. Parce que lui-même avait tranché sa situation sans le savoir. Nathan a dit, cette personne, c'est bien toi. Cet homme, c'est bien toi. Mais le problème, c'est quoi, bien-aimé? Le problème, c'est quoi? La décision de David devant sa propre situation. David jugeait et puis condamnait l'ensemble vide.
Alléluia. Jugez, condamnez innocent. L'ensemble est vide. Deux, quand on leur fait voir que non, c'est bien toi, aussitôt il reconnaît sa faute. C'est ça qui est important. Trois, son humilité. Quand il a entendu cela, David était humble. Quatre, David chercha la face de Dieu pour qu'il soit pardonné. Alléluia. Amen. Cinq, il déshonore la mort ainsi que ses péchés. Il déshonore la mort ainsi que les péchés. Cinq, il déshonore la mort ainsi que ses péchés. Six, il refusa de rendre l'honneur à la mort. Six, il refusa de rendre l'honneur à la mort. Parce que nous allons parler des deuxièmes synonymes de ce mot honte. Déshonneur. Alléluia. Amen. Déshonneur, c'est l'un des synonymes de ce mot honte. Déshonneur, cela veut dire la perte de l'honneur. Déshonneur, c'est la perte de l'honneur. La mort qui était déclarée à cet homme David, elle attendait que David puisse l'honorer. Alléluia. Amen. Quand David a péché, quand David a couché avec Bathsheba, quand David a tué Uri, il était resté tranquille. Alléluia. Amen. David a commencé maintenant à rendre l'honneur à la mort ainsi que à ses péchés. Il était tranquille avec ses situations. Il rendait maintenant l'honneur à la mort ainsi qu'au péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quand David péchait, il y avait déjà à lui la mort, spirituellement. Amen. Aussitôt Dieu a envoyé Nathan, la sentence de David a été confirmée. Tu étais déjà mort spirituellement, maintenant ça sera physiquement. La mort dont l'Éternel Dieu a prononcé à cet homme Ézéchias, ce n'était pas la mort spirituelle, c'était la mort physique. Alléluia. Amen. C'est de même que Dieu a prononcé la mort physique au roi David. Bien, nous devons faire beaucoup d'attention. Nous devons faire beaucoup d'attention. Peut-être à ce moment, si Dieu n'a pas encore dit que non, tu es l'homme selon son cœur, peut-être que tu n'es pas encore justifié par Dieu. Et regardons très bien, la personne est roi que Dieu a formé en catimini, que Dieu a dit l'homme selon mon cœur à moi, mais Dieu a envoyé son serviteur pour lui dire que non, tu mourras. Amen. Écoute, écoute, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Dieu a accepté de sacrifier son propre fils. Combien de fois vous et moi? Amen. Est-ce que nous avons de la valeur plus que Jésus? Non. Nous n'avons pas de la valeur plus que Jésus. Amen. On n'est que des poussières. Amen. Jésus n'est pas poussière. Amen. Jésus est Dieu. Amen. Il est esprit. Amen. Mais Dieu le Père a sacrifié son fils. Tu mourras, mon fils bien-aimé. Dieu a dit, Jean-Baptiste, c'est mon fils bien-aimé. Peut-être que tu n'es pas le bien-aimé de Dieu.
Peut-être que tu n'es pas la bien-aimée de Dieu. Mais Dieu dit, Baptiste, c'est mon fils bien-aimé. C'est à lui que j'ai tout mis. Amen. Nous ne recevons que des miettes. Mais nous sommes devenus désorgueillés. Amen. Jésus qui avait tout en lui, il n'était pas orgueillé. Yes. Comment expliquer? Amen. Tu n'as que des dons. Tu n'as que trois dons. Tu n'as que seul ministère, peut-être aussi moitié de ton ministère. Mais tu es devenu orgueillé. Amen. Tu voulais maintenant diriger Dieu. Mais c'est quoi cette histoire? La mort aura honte de toi. Est-ce que la mort aura vraiment honte de nous? C'est ça le thème. La mort aura honte de toi. La mort aura honte de nous. Est-ce que la mort aura vraiment honte de nous? David a risqué sa vie. David a risqué sa vie. Il honorait le péché. Il honorait le pauvre diable. Il honorait la mort. Il donnait la gloire au pauvre diable. Il donnait la gloire au péché. Il donnait la gloire à la mort. Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas là. David marchait, se promenait avec le Dieu de ce monde. Alléluia. Amen. Alors il a parlé que notre David puisse prendre des décisions fermes. Parce que la mort régnait déjà dans sa vie. Le péché a pris totalement la place dans la vie de David. Quand Nathan lui a dit que non, c'est bien toi, cette personne. David, c'est moi. J'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché contre l'Éternel. David était humble. Il s'humilia devant, pas devant Nathan, mais devant l'Éternel Dieu. David a reconnu ses péchés. David a pris la décision de chercher la face de Dieu pour qu'il soit pardonné. David a pris la décision de déshonorer maintenant la mort, de déshonorer les péchés. Il a pris la décision de se séparer avec la mort ainsi qu'avec les péchés. David a refusé de rendre l'honneur au péché, à la mort. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, ce soir, si tu prends la décision de rompre cette relation avec le péché, avec le Dieu de ce monde, la mort aura honte de toi. Amen. Mais si tu préfères bien garder cela, bien aimé, c'est toi bien, c'est bien toi qui auras honte. Alléluia. Amen. C'est à prendre ou à laisser. Ça, c'est le problème de l'élévation. C'est le problème de la gloire divine. C'est le problème de la bénédiction. Alléluia. Amen. Tu as besoin que l'Éternel puisse faire quelque chose dans ta vie. Dans ton cœur, il a plein de demandes. Alléluia. Amen. Il a plein de choses dans ton cœur. Mais tu ne vois pas comment, hein, faire. Maintenant, tu es devant l'Éternel Dieu. Dieu te dit que non, si tu continues à rendre l'honneur à la mort, au pauvre diable, au péché, tu auras honte. Mais tu dois déshonorer la mort. Amen. Tu dois déshonorer la mort. Amen. Écoute, ce n'est pas pour rien, Dieu dit dans ça, à ce commandement, honore ton père et ta mère. Dieu a dit, pas pour blaguer, mais elle a dit cela, il sait très bien que non, la bénédiction est là, l'élévation est là. Amen. Même je l'ai dit à tout moment, je ne sais pas pourquoi ça revient toujours dans ma bouche. Même si que tes parents sont des sorciers, sont des mauvais, tu ne peux pas les déshonorer. Amen. Tu dois l'honorer. Tu y es obligé. Tu y es obligé de les honorer. Là, tu cours derrière la bénédiction. Et là, disons, la bénédiction sera ton ami. Yes. Les bénédictions te compagneront même. Mais en agissant comme des insensés, tu ne peux rien recevoir. Amen. Je vous ai promis qu'aujourd'hui, ça sera différent. Amen.
Alléluia. Amen. Je vous ai déjà promis. Hier, c'était l'avant-goût. Ézéchias, ce n'était pas le problème des péchés, c'était le problème de la justice. Amen. Il a pu voir à son Dieu comment j'ai travaillé, mes bienfaits, ma consécration à ton œuvre. Amen. Dieu a justifié Ézéchias. Mais aujourd'hui, bien-aimé, ah, ça pique. Ça pique. Ah. Ça pique. Alors, que devons-nous faire? Nous devons bien comprendre, mes bien-aimés. Dans Luc 23, 46, la Bible dit, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Ce n'est pas pour rien qu'il s'expira sur la croix, mais c'est pour que nous soyons sauvés. Ce n'est pas pour rien Dieu a envoyé Jésus-Christ dans ce monde. C'est pour que nous puissions être sauvés. Ce n'était pas avec la mort de Jésus-Christ sur la croix. Alléluia. Amen. Les parisiens, les scribes ne pouvaient jamais tuer Jésus. Jésus lui-même a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus attendait, mais venez me tuer. J'ai déjà ramassé les péchés de mon peuple. Venez me tuer. Et même ils ont eu maintenant peur de mettre leurs mains à cet homme Jésus, le roi des rois. Amen. Et ils ont commis l'erreur au-dessus de sa tête. Ils ont dit le roi des juifs. Amen. La chose que vous avez ignorée, vous-même à Golgotha, c'est là que Christ a dit tout est accompli. Amen. Ce n'était pas que ce qui a écrit. Il a dit que non, je suis Dieu, je suis roi. Ce qui est écrit est écrit. Amen. Ce qui est écrit est écrit. Ils ont approuvé cela. Ils ont approuvé juste la parole de Jésus. Cet homme disait la vérité. Cet homme dit la vérité. Nous devons approuver cela. Le roi des Juifs. Ils n'ont pas écrit, donc il a dit. Non, ils ont approuvé, ils ont dit que non. Jésus est le roi des Juifs. Jésus est notre roi. Point barre. L'accomplissement de la parole divine. Amen. Maintenant, cet homme est venu à sacrifier sa vie à cause de nous. Mais aujourd'hui, nous ignorons Jésus, nous pensons de n'importe quoi. Jésus n'est que rien, mais c'est de n'importe quoi. Nous ne sommes pas plus que Jésus. Amen, yes. David n'était pas plus que Dieu. Amen. Nous sommes appelés par Dieu de faire son œuvre. Nous resterons des impériaires de Dieu. Amen. Même si que nous arrivons d'opérer le miracle plus que Jésus, nous ne pouvons jamais devenir des dieux avec deux majuscules. Amen. Alléluia. Amen. Nous resterons des petits dieux. Et par rapport à ces deux minuscules, demain, tu peux devenir dieu de ce monde. Demain, tu peux devenir Dieu de ce monde. Parce qu'on t'appelle petit Dieu avec les dés, le petit dés. Avec beaucoup de facilité de devenir Dieu de ce monde. Par rapport à tes péchés, par rapport à ta rébellion, tu deviendras dés. On ne peut rien changer. Oh non, c'était avec le grand dés, on peut maintenant modifier. Non, c'est déjà comme ça. Alléluia. Amen. Pendant qu'il n'y a personne qui modifiera le dés de Dieu. Amen, yes. Alléluia. Amen. Le roi David a pris la décision de ne plus rendre l'honneur au pauvre diable, ni à la mort, ni à ses péchés. David a décidé de rompre cette relation. Il a décidé de rompre cette relation afin que de remettre la gloire de l'Éternel à sa place. Amen. Un point barre. Un point barre. Quand David a agi ainsi, directement la mort a perdu l'honneur qu'il recevait auprès de David. Amen.
Voilà pourquoi ce soir, dès que tu prendras la décision de te séparer avec les choses de ce monde, avec le Dieu de ce monde, la mort aura honte. Amen. La mort aura honte. Amen. La mort aura honte. Et directement, elle perdra l'honneur. Amen. Que tu la rendrais. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux bien fâcher. Tu peux bien montrer ta sœur, ton frère, les doigts. Il vient de pécher. Il vient de faire ceci. Regarde-toi. Amen. Parfois tu viens de coucher avec Bathsheba. Amen. Parfois tu viens de tuer Iri. Amen. Tu as agi en secret. Mm. Dieu dit, je vais maintenant faire cela en public. Mm. Quand David a eu une bonne conscience, la porte, la maison de Dieu a dit à David, je ferai sortir tes femmes dehors pour que d'autres gens puissent coucher avec. Par rapport à la notion ferme postée de David, il a fermé sa porte. Amen. Il a fermé la porte de sa maison. Amen. Il a fermé la porte de sa vie. Amen. Satan ne pouvait jamais entrer. Amen. Le mal ne pouvait jamais entrer. Amen. David priait l'Éternel Dieu afin de se séparer avec le péché. Dieu dit, le fils qui est né mourra. Je vous ai déjà dit, ce fils représentait le péché. Il ne pouvait jamais faire l'œuvre de Dieu avec ce fils. Ce fils-là représentait le péché. Tu as tué Iri. Tu voulais que Dieu puisse faire quoi? Récupère Bathsheba. Alléluia. Amen. Prends Bathsheba pour ta femme. Prends Bathsheba pour ta femme. C'est ça que tu as cherché. Qui acceptera Bathsheba? Qui épousera Bathsheba? Parce que tout le monde sait très bien que non, même si que je prends Bathsheba comme épouse. Demain, je risque même de perdre ma vie. David sera derrière moi. Alléluia. Amen. C'était obligé de David de récupérer Bathsheba. Mais ce monde a pris un hôtel là. Même si tu es son voisin. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu que l'autre puisse, une autre personne puisse récupérer, épouser Bathsheba. Toi, David, tu as fait du n'importe quoi. Récupère maintenant Bathsheba. Dieu n'a pas voulu que Bathsheba puisse devenir une femme prostituée. Récupère maintenant Bathsheba. Fais-la entrer dans ta maison. Alléluia. Amen. Uh-huh. Alors, cette situation qui était la mort a voulu suivre qui? David. Il était déjà suivi par rapport à cette situation. Par rapport à ses négativités, par rapport à ses erreurs, par rapport à ses péchés. Devant l'Éternel Dieu, David a pris des décisions fermes. Je vais me débarrasser avec toutes ces choses-là. Mm. Alléluia. Amen. Et toutes ces choses-là négatives, toutes ces saletés-là, ça a retourné qu'à la mort. Mm. La mort était déjà sale. Elle devient encore sale. Dès que tu refuseras les choses du pauvre diable dans ta vie, tu es en train de charger le pauvre diable. Amen. Tu le fais retourner ses œuvres à lui. Amen. Reste-toi tranquille. Nous voulons chercher des midi à 14h. Tu n'arriveras même pas à supporter toutes ces choses-là. Mais nous courons derrière toutes ces choses-là négatives. Quand ça va péter là, tu courras maintenant derrière et dire, Seigneur, Seigneur, que veux-tu que Dieu fasse? Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas fort, mais tu es le premier, la première, d'aller chercher le combat. Yes. Avec un homme fort. Mm.
cours derrière les péchés. Ça veut dire que tu es fort, forte. Mais tu dois savoir que non, le péché est plus fort que toi. Le péché est plus fort que toi. Je vous ai prêché, ce messier est fort. Il ne faut plus collaborer avec ce messier. Il te fera tomber. Lui, une fois avec action. 2 secondes avec action. Il ne te laissera plus jamais du temps. Quand tu te croises avec ce monsieur qui est le péché, bien aimé, même ce qu'il est là, sur ton route, prends fuite. Yes. Laisse-lui le chemin. Prends fuite. Yes. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je ne serai pas trop long. Je vais finir avant l'heure et nous allons prier. Mmh. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de sauver. Amen. Dieu a besoin que non, la mort puisse avoir honte. Amen. Que tu sois sauvé. Amen. Nous allons lire dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, verset 11 à 17. Il est écrit, les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et la mort s'assit et se mit à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparaît parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays dans l'entour. Alléluia. Regardons maintenant, bien-aimés. En toi, il y a des choses merveilleuses. Alléluia. En toi, il y a des choses merveilleuses. Tu as déjà tes bénédictions à toi, bien-aimé. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Il a fallu que le Jésus puisse venir. Alléluia. Amen. Au cours de la route, bien-aimé, tu étais déjà mort sans le savoir. Quand David a péché, il était déjà mort spirituellement. Amen. Dieu a envoyé Nathan pour lui dire que non, tu mourras. Bien-aimé, voilà pourquoi ce soir, Dieu a envoyé un certain serviteur que je suis. Pour te dire que non, parmi tes richesses à toi, le Dieu de ce monde a récupéré cela. Direction Métèque. Direction Kintuka. Direction cimetière du Mans. Mais puisque Dieu a un plan merveilleux pour toi, tu étais déjà choisi, prêté par l'éternel Dieu. Amen. Jésus ne voulait pas te laisser comme ça. Amen. David était un homme choisi par Dieu. Dieu voyait que non, David n'arrivait pas à se repentir de ses péchés. Mais il mourra avec ses péchés. Nathan, vas-y. Dieu n'a pas dit à Nathan d'aller dire à David par parabole. Dis-lui toute la vérité. C'était la sagesse de Nathan. Si David ne s'apportait pas en colère, peut-être Nathan ne pouvait pas se dévoiler devant David. Amen. Heureusement, quand Dieu a vu que non, Nathan est en train de parler par rapport à David, mais non, ça ne va pas marcher. Dieu a touché maintenant le cœur de David. Tombo Kasiko. Mets-toi maintenant en colère. Là maintenant, tu auras des oracles. Que c'est bien toi. Amen.
Alléluia. Amen. Oui, Jésus, il partait quelque part. Oui, tu crois que non, Jésus partait quelque part. Mais Jésus était dans ta direction. Amen. Pour te sauver. Amen. Jésus voyait de loin. Quand il est arrivé juste à la porte de cette ville, il a vu la foule. On a amené le cercueil de ces jeunes hommes. Bien aimé. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que tu es ignorante. Tes biens à toi sont déjà dirigés vers le Mentique. Ce que tu cherchais, tu demandais, tu es en train même de demander auprès de Dieu, n'est pas là. On a déjà arrêté tes bénédictions. On a déjà arrêté ton fils que tu aimais beaucoup, direction Bentique, pour qu'on puisse l'enterrer. Alléluia. Amen. Hier, nous avions vu Jaïrus. Il a bien raisonné. L'approche, la fin de la vie de sa fille approchait. Il est moment pour que je puisse courir derrière hein, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pendant que bien aimé, tu n'es pas encore enterré, ce n'est pas la fin de ta vie. Amen. Jésus voyait de loin. Non, ça ne sera plus jamais la fin de la vie de cet homme, de la vie de cette femme. Amen. Une femme veuve. Elle restait avec son fils. Mais non. Dès qu'on va enterrer ce petit garçon, demain, on enterrera aussi cette femme. Parce qu'elle était consolée que par son fils. La première des choses, Jésus n'a pas arrêté le cercueil. La première des choses, c'est que Jésus t'a dit, il a compassion de toi. Avant d'arrêter le cercueil, Jésus te dit, j'ai compassion pour toi. Amen. Parce qu'il voit comment tu es resté. Alléluia. Amen. Christ a compassion de ta vie. Tu ne peux pas continuer à vivre avec tes négativités. Christ a compassion de ta vie. Amen. Deuxièmement, Jésus dit, il te dit, ne pleure pas. Il y en a d'autres qui aiment beaucoup pleurer. Au lieu de se repentir de ses négativités, il pleure. Pourquoi tu pleures? Réponds-toi de tes péchés. Amen. Prends une autre direction, un point de trait. Prends-toi le chemin de Jésus, dirige-toi vers le chemin de Jésus. Voilà pourquoi je te dis, ne pleure pas. Amen. Au lieu de pleurer tes péchés, va tout droit vers cet homme qui pardonne les péchés. Amen. Qui efface les péchés. Amen. Un point barre. Pendant que tu es en train de pleurer, la foule se dirige vers un métier. La foule se dirige vers Kintsuka. La foule se dirige vers un cimetière de Bordeaux, du Mans, pour enterrer tes bénédictions. Jésus a déjà libéré ta bénédiction, mais tu es distrait, tu es distraite. La foule a récupéré ta bénédiction. Les gens de votre ville ont récupéré tes bénédictions pour qu'ils puissent aller enterrer cela. Mais tu continues toujours à pleurer. Tu continues toujours à te lamenter. Seigneur, je t'avais demandé ceci. Seigneur, ça fait si longtemps. Ça fait 5 mois, j'ai fait un jeûne là de 40 jours, 40 nuits. Mais je ne vois absolument rien. Mais regarde-toi très bien. Regarde là où on veut diriger tes bénédictions. Tu étais déjà béni. Dieu a déjà déposé ta bénédiction. Amen. Mais vu que tu es du seul distrait. Troisième point. Christ peut arrêter tous les mouvements bizarres dans ta vie. Le mouvement bizarre qui était tout autour de ce jeune homme, Christ a arrêté cela. Amen. Ta maman, la veuve femme, ne comprenait pas.
Toi, tu vois que non, tout le monde est en train d'apporter ton enfant le cercueil. Ah, il m'aime beaucoup. Non, ce sont des mouvements bizarres. Alléluia. Amen. Il faisait des mouvements bizarres. Il faisait des mouvements bizarres. En Afrique, bien aimé, vous verrez que d'autres gens tout autour de cercueils. Qu'est-ce que les sorciers font? Qu'est-ce que les sorcières font? Alléluia. Amen. Ils font leurs incantations. Mm. Si tu n'as pas la connaissance divine, tu ne peux rien comprendre. Mm. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la connaissance, si tu n'as pas l'œil spirituel, tu ne peux jamais voir, tu ne peux jamais comprendre ce qui se passe. Jésus voyait. On a apporté le jeune homme avec leurs mouvements bizarres. Avant d'arrêter les cercueils, Jésus a arrêté d'abord leur mouvement. Alléluia. Amen. Vous devez arrêter d'abord de danser. Vous devez arrêter d'abord de danser, de jeter la bière. Vous devez arrêter. Même si que cette personne est païenne, il était déjà choisi. Alléluia. Vous devez arrêter vos danses bizarres. Même si qu'il était sportif, vous devez arrêter. Mais la personne, le dernier jour, ira en faire. C'est une bénédiction à toi. Mais d'autres gens sont en train de faire du n'importe quoi à tes bénédictions. Dès que tu seras tu seras de retour dans ta maison, tu verras que non. Mais non. Où est ma voiture? Ah, patron, cette voiture-là, c'est foutu. Hein? Ce sont mes affaires. Ah, c'est foutu. Hein? Alléluia. Amen. Parce que tu es toujours avec. Dans la nuit, il y a des mouvements bizarres là. Ta parcelle. Dans ton entreprise, tu as engagé des gens qui font que des mouvements bizarres. Ah, patron, mon pao, mon preso. Avec leurs mouvements bizarres. Ils sont en train de maudire ton entreprise, ton travail. Toi, tu ne sais absolument rien. Quatrième point. Christ donne la vie à tes bénédictions. Christ a donné la vie à cet homme, à ce petit jeune homme. Alléluia. Amen. Christ donne la vie à ce petit jeune homme. Donc, dès que Christ se croise avec tes bénédictions, tout va changer. Dès que Christ te croisera, bien-aimé, dès que Christ te verra, bien-aimé, il te dira, j'ai compassion à toi. Amen. Mais ne pleure pas. Amen. Crois, tu vivras. Amen. Crois à moi, tu vivras. Amen. Ne crains rien. Et il est maintenant prêt d'arrêter tous les mouvements dans ta vie. Amen. Et puis, de remettre la vie à tes bénédictions. Amen. C'est-à-dire de te remettre tes bénédictions. Amen. Et puis si c'est un point, tes bénédictions parlent maintenant. Amen. Ce jeune homme était mort. Cette dame a eu son enfant vivant. Et son enfant parlait maintenant. Peut-être qu'il y a d'autres bénédictions, ne parle pas. Auparavant, tes bénédictions parlaient, mais maintenant, tes bénédictions ne parlent plus. Mm. Tu n'arrives pas à comprendre d'où étaient parties mes bénédictions. Mm. Je ne vois rien. À un moment, je voyais ceci, mais pour le moment, rien.
Je ne vois absolument rien. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce soir que ça veut t'aider. Tout ça dépend de toi. Ça dépend de vous et moi. Si nous voulons que Christ puisse nous remettre nos bénédictions, si nous voulons que la mort puisse avoir honte dans notre vie, bien-aimé, c'est le problème de la repentance. Amen. C'est le problème de la repentance, de regretter. Nous devons déshonorer le pauvre diable. Amen. Nous devons déshonorer la mort. Amen. Nous devons déshonorer les péchés. Amen. Bien, mais je ne vous parle pas dans les temps futurs. Moi, je vous parle dans les temps présents. Alléluia. Amen. Je vous dis clairement, mon thème est employé dans les temps futurs. La mort aura honte de toi par rapport à ta décision, Amen. Par rapport à ta position. Amen. Parce que la bénédiction est là déjà, mais la mort est là aussi. Des situations bizarres sont là. Tu as tout, Dieu a tout mis à ta disposition. Mais ce qui empêche la mort, ce qui empêche la maladie, ce qui empêche l'austérité, ce qui empêche les choses du pauvre diable, Amen. C'est à vous et moi maintenant de décider. Amen. Dieu dit, va dire à Ézéchias, il mourra dans les temps futurs. Dieu dit à Nadab, dit à David, tu ne vivras plus. Dans les temps futurs. Dieu attendait la parole de David. Dieu attendait la parole d'Ézéchias. Ce soir, Dieu est en train d'attendre ta parole à toi. Amen. Qu'est-ce que tu diras devant ton éternel, Dieu? Amen. Dieu est à l'écoute. Amen. Si tu parles mieux, la mort aura honte de toi. Amen. La mort aura honte de toi dans les temps futurs. Amen. Mais ta bénédiction, tes bénédictions sont là. Amen. Dès que tu vas déshonorer le pauvre diable et la mort, tu recevras directement ta bénédiction. Amen. C'était à l'instant. Jésus a remis le petit jeune homme à sa maman. Amen. Prends ton fils et cette bénédiction, parle maintenant. Amen. Tu ne voyais rien, tu faisais tes commerces, rien ne marche. Dès que tu te croises avec Jésus, tes commerces parleront maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait si longtemps, tu courais derrière les médecins. Seigneur, médecin, je ne vois rien. Prends ce médicament par jour. Prends 6, 5, 6, 8, 10 médicaments. Tu auras, toi-même tu verras. Alléluia. Amen. Après 2 mois, médecin, rien. Ah, oui, pas ça, maman, le matin. Mais dès que tu comprendras qu'il y a un monsieur qui est plus grand que oui, tu n'auras plus jamais besoin de médicaments de oui. Amen. Tu ne pourras plus jamais dans les pharmacies pour chercher les médicaments. Amen. Alléluia. Amen. Jésus te dira que non. Fini la récréation, Amen. J'arrête maintenant tous les mouvements bizarres Amen. Qui circulent dans ta vie. Amen. Hier, nous avions vu, Jésus a chassé. Il a fait sortir tout le monde qui était dans la maison de Jaïrus. Amen. Et par après, il regardait de loin. Ngoyao, Ngoyao. Ça fait déjà 5 à 10 ans de temps que nous là, nous avons moi la tatale qui n'a yoté. Vous avez un voisin, va dormir. Non, tu es en train de faire tes incantations, va dormir dans ta maison. Tu as laissé ton mari lui seul. Toi dehors jusqu'à 3h du matin. Oh non, non, je n'ai pas perçu ça, c'est l'opération de qui m'a l'âme. Toi, mon cas. Mantoukika. Moi, les opérations qu'on a. Mayas, qui nous t'a là. Toi, mon cas. Oh, bah, c'est là. Bah, c'est à moi qui t'aime mon album. Oh. Bah, on peut pas.
oyamba ma toute la nuit yango oh t'es cassé biso cassé kuna nova biso kolema oh pour la nuit moté maman bé boye amen alléluia amen. Ils vont rester là jusqu'à 5h 6h du matin. Rien de spécial. Amen. Et à vers 10h, ils vont voir maintenant, ils verront maintenant la maman de la personne est là. Mm. Ah, Matuga, ça va? Eh bien, moi, Mwanambotekena, Ngolo, eh, Nzambiga Kusakumuna, Nzoka na Mutema, voilà, poufa, y'a raison, mon api, élévation. Kendo ko boja fasse beaucoup d'action mon va tcha tumba kwa oh mon on va chercher le chemin alléluia amen. Ce sont des gens très très dangereux, des femmes très très dangereuses. Alléluia amen. Toi un vieux papa comme toi, tu quittes ta parcelle pour aller chez tes voisins, Torsini. Naïka, Nekine. Oh, Tata Moubimba, tu as des grandes filles, des grands garçons. Là, t'es là-bas. Amen. À ce rapport, on vous débine. Oh, ton corps est réservé pour ta femme. Ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Mais quand ils verront, dis-moi, ça arrivait dans ma vie. Amen. Ça arrivait dans ma vie. La mort qui était là, elle attendait que non, qu'on puisse venir leur dire que non, Samba est mort. Alléluia. Amen. Mais avec une grande surprise. Pour Nabima. À part la personne qui l'attendait puisse venir cadavre, il est revenu vivant. Leur projet est poche, sans effet. La mort aura honte. Moi dans ma vie, la mort a eu honte, totalement honte. La maladie a eu honte, totalement honte. Maintenant la mort regarde, me regardait de loin. Dès que je regarde cette dame, quand cette femme parlait, tu ne peux pas imaginer que non, cette femme est sorcière. Mmh. Que cette femme est en train de bouleverser la famille. Motosam, que Dieu va me dire, mon arcane. Même à Bengou, tu as le marabout motel. Va demander ma sœur Pascaline si elle parlera comme ça. Mais elle n'était pas ma sœur. Que ça y est, quoi, me dire, Mouko. M'parlez-y, moi. Alléluia. Amen. Mais une femme est très très dangereuse. Mais elle était surprise. Je suis là. Paniqué. Bien aimé, il faut surprendre la mort. Amen. Il faut surprendre la souffrance. Amen. Ta vie est la guérison. Amen. Tu n'es pas la mort. Jésus t'a laissé la vie. Jésus t'a laissé la guérison. Jésus t'a laissé l'élévation. Amen. La Bible dit que a dit tout est accompli. Amen. Sur la croix, que ce n'est pas un fou. Non, écoute, que ce n'est pas un fou. Amen. Ne peut plus donner du temps à la mort. Il est sous tes pieds. Amen. La souffrance est sous tes pieds. Amen. Ne le donne pas l'occasion, même pas l'opportunité. Amen. On est là, la canine. Jésus a dit, ne pleure pas. Arrête-toi de pleurer. Tu as un Dieu qui a tout entre sa main. Mais pourquoi tu pleures? Tu as besoin de quoi? De 5, voire même de 10 centimes. Tu manques 10 centimes, tu commences à pleurer. Tu manques 10 centimes, tu commences à se lamenter par-ci, par-là. Mais la Bible dit, le Dieu que tu pries, l'or et l'argent lui appartient. Mais pourquoi tu pries? La Bible dit que non, tu as besoin d'élévation. Mais ce Dieu-là qui élève, va vers ton Dieu, il t'élèvera. Oh! Tu cours derrière un chef, un monsieur, un PDG. Pesa Moussa là.
Mais c'est quoi cette histoire? Il te demandera aussi ton corps à toi. Offre-moi ton corps. Pendant que la Bible dit, ton corps est le magasin de Dieu, ton corps est le temple de Dieu. C'est un test. Que feras-tu maintenant? Alléluia. Amen. Elle est là. Ici au mât, il y a une femme. Elle avait son entreprise de nettoyage. Qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Elle sait très bien que non, je suis mariée. Mais elle me proposait d'aller buter avec elle. Elle me donnera du boulot. Elle me donnera une grande maison que je parte avec mon épouse. Alléluia. Ok, dans son cœur, elle préparait d'autres choses. Mais où sommes-nous maintenant? Elle est par terre. Elle est par terre. Bien aimé, quand on a la monte à sentiment, hein? On m'a dit grand moutou. Quand on a monte à sentiment, ne peut plus être agité. Ne faut plus avoir de l'agitation à toi, bien aimé. Sois posé. Ne sois pas troublé devant une situation. Sois posé. Ne sois pas paniqué. Sois posé devant une situation. Sois posé. Ne faut plus avoir peur. La solution viendra. Amen. Il n'y a aucune situation qui est grande devant ton Dieu à toi. Amen. Ton Dieu est supérieur de tes situations négatives. Amen. Moi, j'appelle cela des situations. Amen. De fameuses situations. Amen. Yes. Amen. Yes. Bien aimé. Il y a des musulmans qui ont la foi que des chrétiens. Amen. Moi, j'ai prié à une femme qui avait le sida, mais elle avait une grande foi. Amen. Elle était enceinte en plus. Alléluia. Amen. Elle avait la grossesse de 7 mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle était partie voir ce médecin, on lui disait que non, nous devons intervenir avant. Pour que cette maladie ne puisse pas attaquer ton enfant. Alléluia. Amen. Du coup, elle était passée voir l'une de mes filles. On lui a parlé de moi. 30 minutes après, je suis arrivé à l'endroit. On m'a présenté la fille. Elle n'est pas congolaise, hein. Sénégalaise. Alléluia. Amen. On m'a présenté la fille. J'ai pris du temps de parler avec elle. Elle a fait sortir tous ses documents. Pas de problème. Tu es musulmane? Oui. Moi, je suis chrétien. Mais tu es obligé de recevoir mon Jésus, mon Dieu en moi. Si tu voulais que toutes les choses négatives puissent disparaître dans ta vie. Papa, je suis d'accord. Pas de problème. J'ai fait la prière. La fille a reçu Christ dans sa vie. J'ai prié pour elle. Et d'abord, j'ai fait l'appel de notre sœur. Elle est venue. Elle nous a assisté. J'ai prié pour la fille. À l'espace de 15 minutes, la fille s'est retrouvée par terre. C'est bon. Tu as le rendez-vous quand? Dans 2 jours. Ok, tu peux aller. Quand la fille arrive à l'hôpital, on l'a examinée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le médecin voyait que flou. Les symptômes ont quitté le sang. Alléluia. Amen. Les symptômes ont pris fuite vers les os. Comment expliquer? Ils ont identifié, ils ont examiné l'enfant. L'enfant est en bon état. Mais les médecins l'ont obligé que nous devons intervenir avant. Donne-nous la réponse. Elle n'hésitait pas, elle nous a téléphoné. J'ai dit à la fille, dis à tes médecins, tu accoucheras normalement. Jusqu'à 9 mois, l'enfant ne sera jamais atteint. Amen. Si, elle a signé. Elle est revenue. Après une semaine, on était encore en présence de Dieu. J'ai prié en sa faveur, il fallait que la fille puisse accoucher. Quand elle est arrivée, la première des choses de mes décisions pour protéger l'enfant. Oh, mais Dieu a fait ces choses. La fille a accouché normalement. Il n'y avait pas de déchirure. On a examiné l'enfant. Normal. Il n'y avait pas de symptômes.
on a examiné la fille, normal. Le sida est totalement disparu. Alléluia. Amen. Alors, nous prions un Dieu qui est puissant. Amen. Tu dois savoir ton identité. Amen. Voilà pourquoi moi j'ai dit, moi je ne crée rien. Amen. Je connais très bien mon identité. Amen. Je peux avoir mes négativités, mes erreurs, mais je sais celui que moi je sers. Amen. Je le sais très bien. Amen. Devant une situation négative, je ne peux pas prendre 30 minutes, non. Amen. Parce que je place mon Dieu à première position. Ce n'est pas moi qui fera, ce n'est pas moi qui guérira la personne. Mon Dieu sera à première position. Amen. Je vous dis la vérité, même si que cette fille-là a resté dans sa position, même si elle est où, même on est à distance de 6, de 20, de 40 mètres, elle va venir. Amen. Avec ses collègues, ses amis. Mm. Elle verra par tous les moyens de me présenter. Voici l'homme qui a prié pour moi. Pendant qu'elle avait beaucoup d'amis, mm. on l'a pris fuite. Mm. Elle était critiquée à Bordeaux. Elle a ceci, elle a ceci, elle a ceci. Mais j'ai dit à cette femme, cette maladie aura honte dans ta vie. Amen. Tes amis viendront te demander pardon. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Amen. Maintenant, c'était le problème quoi? Montre-nous ce monsieur. Amen. Je l'avais dit, je ne suis pas Ngara, je ne suis pas Marat. Amen. Il ne faut plus me faire voir à tes amis. Amen. Laissez-les dans leur position. Ils ont l'amour d'intérêt. Amen. Qu'ils restent dans leur coin. Moi aussi dans mon coin. Amen. Ce que je fais, ce n'est pas moi, c'est l'éternel Dieu. Amen. Donc, continue ton chemin. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu restes là, bien-aimé, tu as un problème. La première chose que tu vois ton médecin, tu échoueras. Amen. Mets-toi à genoux, cherche ton Dieu à toi. Amen. La Bible dit, Ézéchias était maladie. Maladie à la mort. Amen. Mais qu'est-ce que Ézéchias a fait? Il n'a jamais couru vers voir ses médecins. Mais il a regardé l'homme. Jésus, Amen. Son Dieu créateur, mm. le créateur de ses médecins. Amen. Mais toi, tu as le médecin des médecins, tu te lamentes, tu cours derrière, oui. Ah, rendez-vous à quelle heure? À 12h. Ah, Moussika. Mais Moussika pour nous dire oui. Mm. Alléluia. Amen. Au bien, Raoul, nous aurons la kiskara, on fait les gars, on sera qui souffle. On peut se rendre à qui souffle. N'a pas la commis trahi. Alléluia. Amen. Nous devons faire beaucoup d'attention. Courons derrière l'éternel, hein, Dieu. Amen. Je vous ai dit, bien aimé. Non, compagnie à une autre. Il y a pas de funèbre. Yo, y'a pas qui. Non, ma soeur, il y a. Moi, je vendais des cercueils. N'a pas la commis la chapelle, catafalque. Couleur à drapeau, y a à l'époque à Mobutu. Quelle était ma prière? Quelle était ma prière? Quand tu fais tes commerces, ta prière sera comment? Nous n'étions pas clients bayad. Maintenant, moi, je vendais des cercueils. Je vais louer ce truc-là, catafalque. Quelle était ma prière? Que les gens meurent. Pour ma cercueil, que nous t'envoyons un quel amour qui était. Ah, et qui était négligé. Alléluia. Bien-aimés, écoutez, nous les enfants de Dieu, nous devons éviter beaucoup de choses, d'autres choses que nous ne pouvons jamais faire. Un enfant de Dieu, serviteur de Dieu, on a la pompe funèbre, bien aimé. T'as pas eu qu'on est copié, ça va tous les sons. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont des pompes funèbres. Mm. Il y a des serviteurs de Dieu, ils envoient que nom de corbillard. Mm. Alléluia. Amen. Pas pour faire les transports, mais pour faire transporter des morts. Ça, ce n'est pas une belle commerce, ça, pour les enfants de Dieu. Mm. Quelle sera ta prière? Seigneur, Bakoufa, corbillard, Bazouango. Mm. Mais non! Là, tu es en train de demander la mort de tes frères, de tes sœurs. Mm. Nous devons chercher des commerces à faire. Amen. Alléluia. Amen. Oui, moi, quand mon premier neveu était mort, malgré, ça m'a aussi aidé.
au lieu d'aller acheter un cercueil, mais je pars juste dans mon entreprise, j'ai récupéré le cercueil. Dans la nuit aussi, c'était vers 21 ou 22 heures. Moi, avec un monsieur, on a le cercueil dans la moto. Alléluia. Amen. Yo tant moment la cercueil, ce qui m'a qui m'a cercueil été. Pour tout ça, l'enquête, la moto, donc continue à ta magasin, tout ce que tu as, la côte de la. Oh, ça boit qui tout, quoi. Oh, ah. Namona mon monté pour la bataille qui n'a pas. Nazo fait la mort. En cœur, il tourne, il quitte, il n'inquiète. Alléluia. Bien aimé, à l'époque, je ne connaissais pas Jésus. À ce moment, si j'ai Jésus que c'est à moi, je ne peux pas me permettre d'aller vendre le cercueil. Non. Non. Mon cigarette va couper mon noki. Tous ces gens-là qui ont de l'air pompe funèbre à côté de maman, ils collaborent avec les médecins. Gomena biso combien? 100. Vous avez un pourcentage, Nabino. C'est ce qui se passe dans votre pays. Oui. Ils font que financer des médecins. Vous voyez, la moutoua bien, l'objet a couffé. Parce que moi, autant que vous êtes, si ma pessi ba mo ba mitinda vous en va pourcentage na bino ba c'est bon comprendre te me quoi na kata pompe funèbre ba c'est que zo kende kaka zo kende kaka zo kende kaka comme ka ya mutu mo kaka mutu wala ka pomone sikiraka. OK, il a déjà financé le médecin. Amen. Amen. N'attendez pas que les pauvres de Dieu puissent venir détruire nous-mêmes. Nous détruisons nos frères et sœurs. Nous détruisons le malade. Amen. Nous détruisons le pauvre. Amen. Je dis, quelle sera ta prière à toi? Toi, enfant de Dieu. Comment tu adresseras ta prière? Comment tu adresseras ta prière? Non, tu n'auras pas le temps de prier. Tu n'auras pas le temps de prier. Toi-même, tu vas dire, non, ça fera honte. Seigneur, Nazar va se faire une salle. Attends, mon père, le Seigneur. Si on va se faire, bon, maintenant, on va se faire un cercueil. Dieu écoutera ta prière. Tu seras exaucé par Dieu. Non. Non. Alléluia. Amen. Voilà maintenant, quelle est ta prière dans ton cœur vis-à-vis de celui, de celle qui vient te faire quelque chose de mauvais. Alléluia. Amen. Quelle est ta prière avec celle-là que tu appelles ton ennemi? Avec celui-là que tu appelles ton ennemi. On vient t'apprendre que non, la personne est malade. Quelle est ta prière? Quelle est ta prière en sa faveur? Nzamba kufani kaka. Tata kulutu na kufani kaka. Atungi sakabi somingi. Tata kulutu ne mourra pas. Laissez tata kulutu vivre. Afin de voir à l'aise ton élévation. Amen. Ne cherche pas la mort de ton tata Kouloud, ni de ta tata Moassi. Laissez-les vivre. Toi, confie-toi à l'Éternel. Ils verront ton élévation. Ils verront tes enfants. Ils ont dit que non, tu es stérile. Tu n'es pas stérile. Ils viendront. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il faut que vous pensiez à votre roi, à vous sauter le cas d'habitat, mon coup, au coup, que vous imaginez. Au moins que nous ne sommes pas là pour le cadavre de l'île, nous les qui. Alléluia. Dieu nous a fait passer dans des chemins terribles, même mon épouse. Dieu l'a fait passer dans des chemins terribles. Beaucoup de matières, moi, là, moi, si, mais moi, si, ça m'a fait passer dans le chemin. Va, moi, là, tout le monde. Bien aimé, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Tes bénédictions sont là. Mais
il y a des gens de votre ville, de votre pays, sont jaloux de toi. Alléluia. Ils ont eu tes bénédictions, direction Benseke, pour aller enterrer tes bénédictions. Pourquoi? C'est parce qu'il y a la distraction à toi. Amen. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un certain Nathan qui était venu te dire en parabole, au lieu de te dire hein, la vérité. Amen. Alléluia. Amen. On t'a dit en parabole, on t'a parlé en parabole. On ne t'a jamais fait voir tes négativités. Voilà pourquoi. Tu n'as pas eu le temps de demander pardon à ton Dieu, de régler tes situations avec ton Dieu. Amen. Tu trouvais ça normal. Moi, je sors, hein. Eza Moussalati. Eza Bouloti. Ok, la Timinji. Eza Moussala. C'est parce que tu n'as pas encore eu quelqu'un qui te dira la vérité. Le jour que tu recevras une personne qui te dira la vérité, tu arrêteras ce boulot-là. Amen. Alléluia. Amen. Tu arrêteras. Si on faut que tu à Batoko, à Bissoboy, à toi, Bétina Mbata, et que tu sois pour nous en pousser. Amen. Pas, et ceux qui ont le kit, n'a pas de chabou et n'a pas de pousser. Mais mon temps, mon papa, 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 à tous les deux, tu me as dit que tu es un petit. Mais tu es un petit. 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 Papa, tu es un petit. Ben oui. Donc, il y a un petit. Tu es un petit. Mais il y a. Donc, la va. Ta. Ah, ta. C'est-à-dire que non. Tu dois être affermi. Amen. Au dinta. Amen. Tu es vraiment assis dans la parole. Amen. Si quelqu'un arrive pour te gifler, et l'équipe colon ou pépé, oua. Amen. Mais si tu n'es pas assis dans la parole, si tu n'es pas affermi, aux amoulaï, matin te gozoyo. Bah mon nom kousse me costaud na kati. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier bien aimé. Chacun de nous connaît très bien sa vie, sa conduite vis-à-vis de l'Éternel. Bien aimé, un problème, il y a bénédiction. La mort aura honte de toi. La vie et la mort sont ton pouvoir de la langue. Quand nous avons une solité bien aimé, pour se répandre dans le péché, quand nous avons une nouveauté, l'oba, tu dois parler. Au début, tu as une nouveauté. 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 Devant l'Éternel, Dieu, pourquoi nous fermons nos bouches? Yes, sir. Alléluia. Amen. Tu as une nouveauté. Tu fais tes incantations aux hommes loba, à Kobongate, à Kosaraboye, à Kosom Saboye. Devant l'Éternel Dieu, restituer ce qui est du diable. Amen. Tu dois parler. Amen. Alléluia. Amen. Yope, kanga matoina yo, koyo kalibon de la moninga. Amen. Tala oya yo, mon kosala concentré la oyo, ya yo. Amen. Amen.